Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes bien le 7 avril 2024, le lendemain de la nomination d'une nouvelle équipe à la tête de l'encadrement technique des Lions Indomptables. Une nomination qui déchaîne des passions dans la presse et l'opinion publique. Les discussions sont enflammées, chacun allant bien sûr de son expertise. On voit bien qu'il y a une difficulté à rapprocher ceux qui pensent qu'on a foulé au pied le décret de 2014 et ceux qui estiment que les mécanismes de désignation des structures d'encadrement technique, administratif et médical, eh bien, ces structures qui encadrent donc la gestion des sélections nationales, cela a bien suivi le chemin normal. Scène de presse s'approprie le débat en cours en revisitant ce soir le contexte de la nomination de Marc Brice et son équipe. Nous allons, avec les invités sur le plateau, relire le décret de 2014, notamment l'article 9 de la Convention relative à la gestion des sélections nationales de football, encadrant le recrutement du nouvel entraîneur des Lions Indomptables. Enfin, les experts ici présents feront, au-delà de la polémique, des projections sur les attentes qu'il y a, des attentes qu'on peut avoir de la nouvelle équipe à la tête des Lions Indomptables. Autour de moi, vous remarquez la présence de Soulé Onoriolo. Bonsoir, Soulé. Bonsoir à vous-même, hein, c'est vrai. Bonsoir aux co-discutants. Je voudrais dire bonsoir à tous les téléspectateurs. Et si vous permettez, je voudrais dire tous mes encouragements aux musulmans du monde entier. Eux qui ont, nous qui avons engagé, n'est-ce pas, la dernière ligne droite pour la fin, n'est-ce pas, du mois du jeûne du Ramadan. Parce que d'ici mercredi à jeudi, je crois qu'on en aura terminé. Soulé Onoriolo, journaliste au quotidien Le Messager, à côté de lui, Achille Lachuncha, bonsoir. Bonsoir Séverin. Merci d'être là, journaliste chef du service des sports, quotidien Le Jour. Je finis par Samuel Mbonjo, bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir à tous les téléspectateurs de cette prestigieuse émission, scène de presse. C'est un plaisir et un honneur que vous me faites de participer à ce plateau. Je profite pour saluer les populations de Yabassi, c'est dans le département du Nkam. Samuel est journaliste, directeur de publication de Direct Info. Merci d'être venu. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder à la maison. Si on avait oublié, je voudrais rappeler que le 10 février 2024, dans son message à la jeunesse et au lendemain de la CAN en Côte d'Ivoire, le président de la République a dit ceci, je cite, « Je sais l'importance que vous accordez au football, l'État dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. » Nous allons y veiller. Le gouvernement et particulièrement le ministre en charge des sports ont reçu instructions claires sur le sujet. Fin de citation. Le ton a été donné donc par le président Paul Biya et cette semaine, mardi précisément, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moulay-Kombi, faisant suite aux très hautes directives du président de la République, par un communiqué, nous l'avons suivi, a nommé un nouveau staff d'encadrement technique, administratif et médical de la sélection nationale senior de football masculin. Ainsi donc, Marc Brice, de nationalité belge, et son équipe ont été choisis pour l'encadrement technique des Lions Indomptables. La polémique enfle depuis la sortie du communiqué presse radio du ministre des Sports. Elle est d'autant plus vive que Samuel Etofis, le président de la FECAFOOT, a fait savoir dans un autre communiqué que la fédération ne saurait reconnaître ces nominations effectuées, selon lui, en dehors de tout cadre légal et réglementaire. Dans l'absolu, poursuit le communiqué, la FECAFOOT ne saurait être partie prenante de cet acte dénué de tout fondement légal et ne saurait transiger avec les règlements supranationaux et encore moins avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre pays. Alors, je vais commencer par Soulé, parce que bien avant ce communiqué du ministre des Sports, lundi, c'est comme si vous aviez senti la faire venir dans votre journal. Vous aviez annoncé les couleurs à la une de votre journal. On pouvait lire « Staff technique des Lions Indomptables, les artisans du blocage ». Vous, vous parliez du blocage à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous faisait peur ? Oui, ce qui nous faisait peur, c'était qu'on était rendu à 33 jours, n'est-ce pas, et l'encadrement technique des Lions était vide.
depuis, n'est-ce pas, le non-renouvellement du contrat de Rigobert Sombahanak, n'est-ce pas, le manager sélectionneur, son contrat qui était échu, n'est-ce pas, le 29 février. Et naturellement, il était pratiquement parti avec toute son équipe. Et le Cameroun venait de perdre, n'est-ce pas, la fenêtre FIFA, parce qu'il n'avait joué aucun match amical pour le mois de mars. Alors nous nous sommes posé des questions pour savoir pourquoi est-ce que la nomination d'un staff technique, qui est une affaire purement banale, pouvait coincer. En prolongeant, en grattant le vernis, nous nous sommes rendus compte que, en fait, il y avait d'un côté monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui faisait, n'est-ce pas, la prospection à l'effet de trouver un oiseau rare. De l'autre côté, on avait le président de la FECAFOOT qui a fait la prospection et avait envoyé une shortlist, je crois, de trois coachs, n'est-ce pas, au sein de laquelle il fallait choisir un. Mais curieusement, donc voilà un peu tout ce que nous voulions. Le messager a voulu s'interroger pour savoir mais quel était le problème. Et on peut en être fier hein, que la publication du journal Le Messager mardi, ils nous ont donné un truc assez rapide. Et ce qui est curieux dans l'affaire, c'est que quand vous regardez bien, le haut accord signé par le ministre d'État, SGPR, est signé le 2. Et on apprécie la célérité, parce que le communiqué aussi du ministre est signé le 2. Or, quand on sait que parfois, un courrier entre le premier ministère et l'éducation fait une semaine ou deux, mais là, on a un courrier quand même qui fait à peine 24 heures entre la présidente de la République et le ministère des Sports. Et bravo, si ça marche comme ça, c'est que on ne peut plus avoir des problèmes. Mais Achille. toujours est-il que les résultats étaient, c'était un contraste entre les propositions de la FECAFOOT. Vous aviez déjà les propositions de la FECAFOOT ? Pardon ? Vous aviez les propositions de la FECAFOOT ? Au cours de l'enquête que nous avons menée, qu'en proposition, il y avait Hervé Renard. Et des sources dignes de foi laissaient entendre que le coach qui est en proposition, le coach local, n'est-ce pas, David Pagou, l'entraîneur de Stade Rennais, était bien parti pour être l'adjoint de celui du trio qu'on choisirait. Et puis, Thomas Nkono était, je crois, prévu pour être le coach des gardiens de but. Bien, mais ce que je dois dire, c'est que la nomination du staff était attendue. Et ça durait déjà, parce que ce poste était vacant et la fenêtre FIFA n'a pas pu être exploitée par notre équipe nationale qui a des échéances, notamment le 3 juin contre le Cap-Vert ici à Yaoundé et le 10 contre l'Angola. Donc, contre l'Angola à l'extérieur. Donc, ça urgeait, il faut le dire. Mais seulement, je dois dire que dès lors qu'on a nommé le staff, personnellement, je n'ai pas trouvé deux problèmes parce que on a nommé ce staff dans les mêmes formes et procédures que les précédents staffs ont été nommés. Ça veut dire que Conseil avait été nommé de la même manière où le ministre des Sports a reçu un courrier de la présidence du SGPN notamment et qui lui disait vous nommez tel sur haute directive du chef de l'État. Rigobert Song a été nommé de la même manière avec son staff où un courrier similaire est parti du SGPR pour le ministre des Sports et qui, le même jour, a publié la liste du staff qui accompagnait Rigobert Song. Et pour mardi, nous avons justement vu que le ministre des Sports a communiqué à travers, on va faire la tautologie en disant ce communiqué de radio-presse, sur la base justement de la lettre
de la correspondance du SGPR qui disait sur haute directive du président de la République. Et personnellement, je crois qu'il n'y a pas eu. On ne peut pas parler de. Je ne sais pas si on va parler de célérité parce que c'est une habitude. Directement, le ministre des Sports s'est exécuté. Il doit s'exécuter dès lors que ça vient du chef de l'État. Et ce que je dois aussi ajouter, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment quelque chose de nouveau. Parce que même Conseil Sao avait été nommé dans un contexte où on avait fait un appel à candidature et on avait recueilli les dossiers de candidature. Et pendant que la commission avait examiné, avait donc sorti une shortlist de 3 entraîneurs qu'elle avait déposés. Finalement, l'entraîneur qui avait été nommé ne faisait même pas partie de cette shortlist. C'était plutôt Antonio Conseil Sao qui ne faisait même pas partie de cette shortlist. Donc, en fait, je crois que le président de la FECAFOOT sur une chaîne étrangère a dit qu'il allait faire les propositions d'entraîneurs et l'a déposé à la présidence de la République parce que c'est là-bas que ça se décide. Et donc, moi, je crois que là-bas, il y a, personnellement, hein, je crois que c'est une question de pouvoir discrétionnaire là-bas où on peut décider de nommer un tel ou un tel sans avoir à s'expliquer. Je pense que s'il faut se féliciter du travail du journal Le Messager qui a enfoncé le clou, il faut peut-être dire que dans la précipitation et dans la célérité, certains éléments de droit auraient été passés sous cap. Et c'est pour cette raison que la polémique enfle. Et le contentieux juridique qui s'ouvre actuellement n'est pas de nature à créer l'effet escompté par le gouvernement qui est un régulateur et qui se doit de jouer le jeu de l'apaisement, de la concertation. Achille ne va pas faire fi de cet aspect-là. Maintenant, il y a un corpus juridique qui encadre la procédure de désignation et de nomination d'un staff technique et administratif au sein des sélections nationales. Et cela doit être respecté par les différentes parties prenantes. C'est peut-être la sortie de la Fédération camerounaise de football qui vient mettre à nu le poteau rose qui devrait passer sous cap parce que, à suivre Achille, les carottes étaient déjà cuites lorsque le communiqué radio-presse a été rendu public. Mais sauf que la synergie gouvernementale, la cohésion gouvernementale, la parfaite collaboration a été bafouée et c'est pour cette raison que le président de la Fédération camerounaise de football était obligé de monter au créneau pour se désolidariser de ce communiqué radio-presse pour lequel il n'a pas été associé. Samuel peut permettre, est-ce que je place un petit mot pour dire que… Je voulais rappeler que la nomination de la nouvelle équipe d'encadrement technique de Lyon ne fait pas l'unanimité. Il y en a qui convoquent des arguments de droit. Nous indiquant, c'est ce que vous avez semblé faire, que nous disons que le décret de 2014, la convention MINSEP-FECAFOOT de 2014 et son additif de 2015, tout cela n'a pas été respecté. Mais allez au fond des choses, dites-nous exactement quel est le problème, quel est l'article qui n'a pas été respecté sur cette base. Avant que Samuel continue, je vais pouvoir dire que Samuel, je venais de dire tantôt là que la nomination de Conseil Sao n'avait pas obéi au canon auquel vous faites allusion, à savoir que il y avait eu une shortlist de 3 entraîneurs qui avaient été justement choisis par une commission et ça avait été déposé. Et à la fin, c'est Conseil Sao qui a été nommé et le président de la FECAFOOT de l'époque n'a pas rougi. Il n'a pas rougi. Il sait très bien qu'on n'a pas choisi quelqu'un qui faisait partie de la shortlist. Oui, et puis c'est passé. Mais sauf tout ça, c'est pourquoi. Il y avait une collaboration, une navette, je veux dire documentaire, qui allait entre le MINSEP et la FECAFOOT en cette période-là. Et le président n'avait pas raison de la FECAFOOT à l'époque, n'avait pas raison de s'en offusquer parce qu'il avait tout de même été renseigné de ce que
C'est vous qui le dites, hein. Non, mais c'était ça les faits. Mais sauf que dans ce cas, dans le cas d'espèce où nous parlons, le président de la fédération dit clairement qu'il n'a pas été associé dans la procédure. Il n'a même pas étudié le dossier technique de, cette, de ce sélectionneur. Donc, vous voulez que je vous dise quelque chose ? Il doit paraffer le contrat, mais sauf que, pour revenir sur l'article qui a été violé dans le décret de 2014, c'est l'article 3 qui dit que la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football dénommée FECAFOOT. Mais lorsque nous suivons les raisons qui ont sous-tendu le communiqué du ministre des Sports, c'est qu'il fait référence à la convention de 2014 et 2015, qui juridiquement ne saurait être au-dessus d'un décret, même si la convention est un accord entre deux parties, mais je veux pas lorsque peut-être un accord, Samuel se trompe est, comme ça. Lorsque un accord est contre une loi de la République qui est un décret, cela est de nul et de nul effet. C'est comme si vous signez un contrat d'emploi, d'embauche avec votre employé et qui viole les lois de la République, ce contrat est caduque. Donc voilà un peu. Samuel, je vais vous dire quelque chose. Il faut évoquer du plan de. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez bien fait. Des éminents professeurs comme Abba Oyono, qui est un expert dans le contentieux administratif. Attendez que je vous dise quelque chose, Samuel, avant qu'on continue, pour que les téléspectateurs, j'arrive, comprennent exactement de quoi il est question. Vous avez bien fait de lire le décret de 2014. Alors, le décret est signé en 2014. Mais pour permettre la bonne application de ce décret, il y a eu cette convention qui a été signée le 5 février 2015 entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. La FECAFOOT, représentée par le feu professeur Joseph Ona, son homme, qui était alors président du comité de normalisation, et le ministre Adoum Gawa. C'est donc cette convention qui vient repréciser les modalités d'application de ce décret. Et c'est là où on dit... On reprécise à l'article 9 que le recrutement de l'entraîneur sélectionneur ou bien de l'entraîneur peut être fait par la FECAFOOT sous contrat après avis obligatoire du ministre des Sports ou bien du ministère des Sports. Tout je, comme je vais vous aider de la même là, manière, oui. Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec la Fédération camerounaise de football, après avis obligatoire du ministre chargé des Sports, ça, c'est de... soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Ça, c'est de deux. Et ici, pour le cas d'espèce, l'État, il s'agit de la deuxième hypothèse. Ça a été choisi par l'État. Et je tiens à vous dire, l'équipe nationale, les Lions Indomptables, c'est la propriété de l'État. Il faudrait qu'on se comprenne, qu'on parte là-dessus. C'est la propriété de l'État. La preuve en est que c'est l'État qui paye cet entraîneur qu'on recrute. Ce n'est pas la fédération. C'est l'État qui paye les primes, qui paye toutes les charges liées au fonctionnement ou alors à la participation de l'équipe nationale à toutes les compétitions. C'est l'État. C'est la propriété de l'État. Et l'État a légué justement la gestion, je pèse bien mes mots, la gestion de cette équipe à la Fédération camerounaise de football qui est, on va dire, l'organe technique, tel que le décret l'a dit. Mais maintenant, on parlera, nous aussi, hein. Tu vas prendre la parole. Donc, je disais tantôt que lorsque l'État lègue dans cette équipe et se rend compte à un moment donné que rien ne va plus, l'État, en tant que garant de l'ordre public sportif, à travers le ministère des Sports, peut prendre des mesures comme celle qui a été prise, notamment la nomination, la mise à disposition dont on parle. Ça, c'est en période de crise, on va dire ainsi. Vous-même, vous n'ignorez pas quels sont les derniers résultats de cette équipe nationale. Et donc, l'État a agi comme celui qui vient réguler, justement, l'ordre public sportif, c'est-à-dire cette affaire de football ou bien cette affaire d'équipe nationale en ce moment. Et donc, personnellement, je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre cette affaire et qu'on avance. Soulé, vous avez maintenant la parole. Merci. Je viens d'entendre beaucoup de choses qui sont inexactes. Déjà, l'État, ce n'est pas le gouvernement. Il faut faire très attention. Parce que la mise à disponibilité de l'État, ça ne veut pas dire la mise à disponibilité du ministère des Sports. Puisque le même texte a dit la nomination après avis obligatoire du ministère des Sports.
il aurait pu dire, hein, le législateur aurait pu dire, n'est-ce pas, la mise à disponibilité du ministère des Sports. L'État ici, ça peut s'entendre que c'est le chef d'État, mais ce n'est pas forcément le ministère des Sports, première chose. Et puis deuxième chose, je vous ai entendu dire que nomination de Conseil après Rigobert Song. Ce n'est pas le même process. Au du temps, Conseil, c'est parce que, comme Samuel l'a dit, il y avait un peu une petite une passivité ou bien un petit laxisme de la part du président Bongo Ndjoya à l'époque, hein, qui laissait un peu le ministre faire ce qu'il voulait. Mais en même temps, sur les jeunes, vous comprenez. En même temps, j'ai écouté dans une interview dans Canal 2. Où justement le président de la FECAFOOT reconnaît la pratique qui a souvent cours lorsqu'il y a désignation d'un entraîneur. Et vous savez, monsieur Aléga, les interviews restent les interviews. Moi, je parle des textes. Je vous ai dit le process, par exemple. Conseil Sao, c'était sous la mandature de Bongo Ndjoya, n'est-ce pas? Qui n'est-ce pas? Peu importe. Maintenant, lorsque M. Eto arrive, il pense qu'il y a un new deal, il veut impulser une autre façon. Et c'est en cela qu'il dit qu'il ne veut pas, il ne veut pas de conseil Sao. Et on sait ce que ça nous coûte aujourd'hui. S'il vous plaît. Oh là là, si vous voulez parler seul, je vous laisse l'émission. Soule, c'est juste pour que quand vous parlez, je vous écoute. Monsieur, n'oublions pas une chose, c'est que lorsqu'il y a eu, n'est-ce pas, comme l'échange entre le MINCEP et le président nouvellement élu de la FECAFOOT, les nominations sont venues directement de la présidence de la République. La liste des nominations, ou alors des nommés venus de la présidence de la République, où la présidence de la République a décidé que Rigobert Song, hein, sélectionneur manager, Mounier, entraîneur adjoint. Mais la nomination de Marc Brice, hein, ne vient pas de la présidence. Ah, comment ça vient d'où, Soulé? Non. Nous tous lisons comment bien la correspondance. Plaît, s'il vous plaît. Du RGPR à laquelle tu as fait. Lisons tout à l'heure. Comment vous dites ça? S'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que le ministre pouvait donner cette nomination sans se référer à la présidence? Voici ce que le RGPR dit. J'ai l'honneur de vous notifier le haut accord de la présidence de la République. Encore que la présidence de la République, c'est vague. Est-ce que c'est le président? Si vous allez dire est-ce que des textes. Je suis en train. Mais attendez! Ça vient de la présidence, oui ou non? Dit, hein, ça nous attends, fait. Attends, déjà, Soulé, c'est ça. Non, permettez hein qu'on comprenne vraiment un peu, parce que moi, j'ai soif de comprendre vraiment où est-ce que Soulé veut chuter. Hein. Si vous ne me laissez pas parler, j'ai le texte, non? Vous voulez rectifier qui a dit? Ce que Achille dit. Okay. Il a dit que les nominations étaient faites par la présidence. Or, ce n'est pas vrai. Voici le texte du RGPR. J'ai l'honneur de vous notifier le haut accord de la présidence de la République, hein, à vos propositions de nomination. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est la liste qui est venue du ministère des Sports. Et le président, hein, ou bien le haut accord, a été marqué par le RGPR. Les mots ont un sens. Ce n'est pas la même chose que s'était passé avec Rigobert Song. Maintenant, hein, l'autre chose, c'est quoi? C'est que le communiqué du ministre parle des hautes directives. Or, le RGPR parle du haut accord. Là encore, en français, c'est. Ce n'est plus la. Relisons encore, c'est bien haute directive, s'il vous plaît. J'ai dit qu'elle. Relisons bien cette correspondance. Je dis, elle a Samuel Bonjour, vous pouvez lire cette correspondance. De qui? Du RGPR. Il parle. C'est bien des hautes directives. Hautes directives, effectivement. Voilà, c'est bien hautes directives. La convention est signée entre le ministère et la FECAFOOT. Mais elle n'a pas préséance sur le décret présidentiel qui dit. Et comme tu viens de le dire, que la gestion, n'est-ce pas, technique, sportive et administrative des sélections nationales relève, n'est-ce pas, des compétences de la Fédération camerounaise de football nommée FECAFOOT. C'est clair. Bon, je voulais poursuivre en disant une autre chose. Parce que quand nous abordons le volet
juridique de la chose, nous convoquons quand même des experts. Le professeur Jean Calvin Abba Oyono fait une sortie pour dire que le contentieux est patent de par la triple irrégularité qui entache la décision de nomination des membres du staff. Quand un professeur expert en contentieux administratif, vous on le dites. On peut lui opposer. Maintenant, poursuivons les contradictions. Ce n'est pas une parole d'évangile. Oui, effectivement, poursuivons dans les contradictions. Lorsque Soulé évoque ici l'hiérarchie des normes juridiques, c'est connu de tous. Et je pense que si nous voulons rester sur le plan du droit et non pas sur les trafics d'influence, où on dira que c'est la présidence qui a décidé, la présidence de la République n'a pas vocation à imposer ou à désigner les entraîneurs. Les propositions viennent toujours de la base, c'est-à-dire du ministère des Sports ou de la Fédération Camerounaise de Football. Mais je vais vous dire quelque chose. La convention même qui est évoquée, je citais en disant que la convention qui est évoquée comme support au ministère des Sports, elle-même dit que le ministère des Sports doit valider impérativement et obligatoirement les propositions qui sont faites. – Mais il y a la mise, la deuxième option, là, on reviendra là-dessus, et c'est là où le débat avec Soulé s'est posé, sur la définition des termes. C'est donc des troncatures juridiques qui ont savamment été introduits dans la convention par le président de la Fédération Camerounaise de Football à l'époque. Je veux qu'on me comprenne très très bien. Il y a eu un décret, mais on constate que ce décret a des insuffisances et qui, dans l'application, suscite des blocages. Un décret a des insuffisances ? Bien sûr. Signé par le chef de l'État ? Bien sûr. C'est pour ça qu'il y a toujours des textes d'application qui suivent. Écoutez-moi très bien. À la suite, cette convention, la convention, c'est quoi ? C'est une entente entre des parties qui signe une manière de fonctionner. Je veux parler terre à terre pour qu'on comprenne. Et cette convention qui a été signée tient lieu de loi pour les parties qui les ont signées. Voilà ce qu'on appelle la convention, à mon entendement. Mm-hmm. Et je crois que beaucoup de juristes ne vont pas me contester. – Mais inférieur au décret. – Bon voilà, écoutez, non, ce n'est pas une affaire d'inférieur au décret. C'est bien un texte qui permet l'application d'un décret. Autrement dit, le décret ne permettra pas l'application ou bien ne permettra pas le fonctionnement de cette équipe nationale. Ça, c'est d'un. C'est ce que je voudrais vous faire savoir. Et de deux, sachez une chose, ce n'est pas la première fois qu'on a vu le ministre ou bien un président de la FECAFOOT se lever pour contester la nomination d'un entraîneur. Rassurez-vous, en 2008, Otto Fister avait été nommé par le ministre Augustin Thierry Ezoua et Ia Mohamed avait refusé de signer le contrat. Mais l'entraîneur a exercé pendant deux ans, et on a disputé la CAN au Ghana. Le président de la fédération avait été obligé de prendre une accréditation pour permettre justement à cet entraîneur de s'asseoir sur le banc de touche des Lions. Et on avait disputé, vous connaissez la suite, on avait perdu la finale. Mais là, il y a eu ce fonctionnement où l'entraîneur a eu à faire son travail. Et personnellement, j'estime, et là, vous allez me permettre de dire cela, j'estime que pour moi, le président de la fédération aurait gagné à se taire que de faire des sorties. La parole est libre, certes, mais personnellement, à sa place, je n'aurais pas fait ces sorties-là. Est-ce que ce n'est pas un problème qui existerait entre la pratique et la règle juridique ? Est-ce que ce n'est pas ça qui nous crée tout ce problème qu'on a aujourd'hui ? Les textes et l'application des textes ont ceci de particulier qu'il faut sauver, il faut aider, il faut que ça marche bien. N'est-ce pas ? Ça veut dire que les textes disent que le technicien qui cherche, n'est-ce pas, le sélectionneur, c'est la FECAFOOT. Mais pour que ce sélectionneur soit adoubé, il faut l'avis obligatoire du ministère. Monsieur Séverin, c'est ça. M. Séverin à l'égard. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas, les deux ne pouvaient pas, si les deux travaillent pour le salut du football camerounais. Pourquoi est-ce que la FECAFOOT et le ministère ne pouvaient pas se retrouver, se réunir, n'est-ce pas, échanger
dans les coulisses avant de sortir cette puanteur. Est-ce qu'on n'est pas dans une situation particulière ? Tout ce que nous disons. Non, je voudrais dire une chose. J'ai ouvert l'émission en rappelant cela pour indiquer que une instruction au sommet de l'État avait déjà été donnée. On avait reconnu qu'il y a des problèmes au sein de notre football et qu'il faut trouver une solution. Est-ce que dans la discussion actuelle, est-ce qu'on tient compte de cette prescription, de cette instruction du président de la République ? Bien sûr. Sous l'habile débatteur, et je sais qu'il a fait une gymnastique tout à l'heure. On a pas Non. Je voudrais dire une chose, avec votre permission, dans votre relance, monsieur le modérateur, le président de la République fait un discours politique. Les Lions viennent d'avoir, n'est-ce pas, une prestation médiocre. Pour parler de ce que, un, les Camerounais doivent attendre, n'est-ce pas, une reddition de comptes. Deux, la fortune publique souffre de ce qu'on met beaucoup d'argent pour les Lions. Et trois, les instructions ont été données pour qu'au niveau du ministère des Sports, qu'on regarde ce qui s'est passé. Monsieur Ali Gambeli, il n'y a pas plus légaliste que le président de la République. C'est ça, il faut le dire. Et il faut le tempérer. Le président de la République est un homme extrêmement légaliste. Pour qu'on se comprenne. Soule, tout à l'heure, a fait une précision et a dit quelque chose sans terminer. Parce qu'il a cité ce décret en disant que ce décret dit que c'est la FECAFOOT qui recrute l'entraîneur après avis obligatoire. Mais moi, je trouve que Soule a mélangé et le décret et la convention. Non, c'est la convention qui le dit. Et donc, attendez, je voudrais que Soule, en mélangeant les deux, puisse dire que, pour la bonne compréhension des téléspectateurs, que c'est la FECAFOOT qui recrute après avis obligatoire, mais que l'État peut faire un recrutement et faire une mise à disposition. Non, pour qu'on se comprenne. Et là, on peut avancer. On ne fait que vous dire, vous l'amenez pourquoi la mise à disposition. Parce que tu as fait une jonction des deux textes. Achille, je t'ai prêté mes 30 secondes. Moi, je vais donc dire à la suite de Soule que, certes, le chef d'État a donné des instructions de faire le ménage, mais il y a une manière de faire le ménage. Et cette manière est encadrée par les lois et règlements de la République, notamment le correspondant du SGPR. Non, je ne veux pas revenir sur ce qu'il dit. Vous avez déjà répondu à ma question. Je voudrais poser une question pratique entre nous. Nous sommes ici autour de la table. Est-ce que vous pensiez qu'un membre du gouvernement, en l'état actuel, dans la situation que nous connaissons autour du football, aurait pris sur lui, je parle des ministres, qui aurait pris sur lui de désigner un entraîneur sans se référer au chef du gouvernement, sans se référer à la présence de la République? Je vous réponds clairement en vous faisant comprendre que l'instance technique habilitée à faire les recrutements des entraîneurs et des sélectionneurs, c'est la Fédération Camerounaise de football. Ce n'est pas le Premier ministère ni la présidente de la République. Pour répondre simplement, en vous faisant comprendre que si le ministre a pris sur lui de prendre cette décision, il est certainement entouré d'un certain nombre d'acteurs qui sont peut-être dans l'ombre. Mais je vais vous dire que tout ceci doit être fait dans le respect de la réglementation. Est-ce qu'on tient compte de la situation particulière de l'équipe nationale qui a suscité la réaction du chef de l'État? J'ai demandé la parole. Non, sous la parole. D'accord, vous allez parler. Sous les, je veux intervenir. Je pense très sincèrement que si on avait tenu compte des instructions du président de la République qui, en instruisant le ministre des Sports… – Le gouvernement d'abord. – Le gouvernement et principalement le ministère des Sports, c'est parce qu'il voulait que les prochaines échéances des Lions ne soient pas aussi désastreuses, aussi catastrophiques. C'était ça, n'est-ce pas, je voudrais dire, hein, ce que attendait le chef de l'État. Sauf que dans la liste, M. Aléga, vous signez, n'est-ce pas, le retour de celui qui était SG et qui est devenu le coordinateur de Benjamin Banlock, qui doit être payé par la FECAFOOT. Qui doit avoir un bureau à la FECAFOOT. Puisque nous convoquons les textes, est-ce que ça aussi, c'est le texte Mais au-delà des textes, il y a le contexte, il y a le social, il y a le volet moral. Vous revenez donc à… Monsieur Aléga, le coordonnateur des élections nationales est recruté par la FECAFOOT. Je suis, vous permettez. Et il est payé, il a un bureau
qui lui est donné par la FECAFOOT et il est payé par la FECAFOOT. Tout comme le team reste officier. On est d'accord maintenant. Est-ce que je peux répondre? Vous avez répondu à la question que je posais. C'est-à-dire que dans la désignation du nouvel encadrement technique des Lions actuellement, il faut tenir compte à la fois du texte et du contexte. Est-ce que c'était ça le fond de ma question? Est-ce qu'on n'a pas mêlé les deux pour que nous ayons la situation? Est-ce que je peux bien répondre à ça? On a tout gâté. Nous avons l'impression que tout ce que nous faisons, nous restons dans le cadre des textes. Les textes sont dit ceci. Il y a un contexte. Je voudrais, l'État ne règle pas ses comptes. Je voudrais que résout le problème. Samuel, j'ai l'impression que dans ce débat, on confond de cibles. La cible dans ce débat, ce n'est pas le ministre des Sports. La cible, ce n'est pas le ministre des Sports, non. Parlons des la cible, c'est l'État et la Fédération camerounaise de football. Ça veut dire quoi? Non. Ça veut dire ce que ça veut dire. L'État, c'est fuyant. La Fédération camerounaise. Écoutez-moi très, très bien. Le football n'est pas dans l'État. Très, très bien. Écoutez-moi très, très bien. De quoi vous parlez? Ce n'est pas. Écoutez-moi bien. C'est vous qui faites une confusion lamentable. Non, mais c'est la Fédération camerounaise de football qui s'est levée pour contester une décision prise à la présidence de la République. La présidence de la République aurait pu refuser ce que le ministre a proposé. Est-ce un délit? Non, je dis bien. De contester ce qui vient de la présidence. Et si c'est moralement suspect. Mais l'État est attaquable, même sur le plan pénal, même sur le plan juridique. J'étais en train de dire que c'est une décision qui part de la présidence de la République. Il faut qu'on se comprenne. Et ça ne part pas d'un individu. Même si c'est finalement quelqu'un qui a signé, qui a pris sa plume et a signé. Mais c'est au nom de l'État. Et lorsqu'il y a contestation, il y a une levée de bouclier. Ce n'est pas contre cet individu. Il faudrait qu'on comprenne que c'est contre l'État. Il faut que ce soit clair. Et là, si c'est contre l'État, ça voudrait dire que l'État n'est plus propriétaire de cette équipe nationale. Nous sommes d'accord que c'est la propriété de l'État. Je crois que si nous sommes d'accord que les Lions indomptables, c'est la propriété de l'État, il y a la fin du débat. On n'a plus à contester une décision qui vient du président de la République. Sévérin, si je pouvais dire un mot. En 30 secondes, vraiment. Je vais dire que si vous allez dans les tribunaux au Cameroun, administratifs comme les tribunaux civils, l'État est en procès tous les jours. Attaquer soit l'acte. Contre des individus, soit contre des organisations, dont l'État n'est pas exempt de poursuites judiciaires ou bien l'État n'est pas exempt de fautes ou d'erreurs. Que cet acte soit donc attaqué. Un tribunal administratif a été créé. On va vivre le procès. Un tribunal administratif a été créé dans ce pays pour attaquer les actes pris par les individus qui incarnent le pouvoir de l'État. Donc ce n'est pas une puissance absolue d'accord. Pour vous faire comprendre que, comme c'est la présidente de la République, alors il faut faire du grabuge et non. Régler ses comptes parce qu'on va se cacher sous le parapluie. Non, il ne s'agit pas de cela. Aux institutions du président de la République. Il s'agit justement si de... Si les textes avaient été respectés... Et au-delà de ça, je veux dire à tous les que le choix des personnes correspond... Quand on veut servir l'État, on fait le choix des personnes qui sont compétentes. Ça ne correspond pas à des sentiments que les gens ont. Ou bien à des affinités ou des égos que les gens ont. On cherche à avoir la compétence des personnes qu'on nomme. On a parlé de la mise c'est de ça qui est question. Par l'État. Moi, je voudrais comprendre ce que c'est. Je voudrais dire que c'est une troncature juridique qui ne veut rien dire. Mais ce n'est pas dans le décret, c'est dans la convention, qui est d'ailleurs attaquable. Pourquoi elle n'a pas donc été attaquée depuis 2015? Parce qu'elle n'a pas été attaquée, qu'elle n'est pas attaquable. Je dis bien qu'elle est attaquable. Dans le cas d'espèce, même le SGPR reconnaît la valeur de la FECAFOOT. Parce que je voudrais vous lire ceci, la fin de son courrier. Vous voudrez bien, en liaison avec la Fédération camerounaise de football et les autres administrations concernées, prendre en urgence toutes les dispositions nécessaire en vue de la contractualisation, n'est-ce pas, de ces... En dehors de la FECAFOOT, des autres Permet. Ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le SGPR, qui dit que le chef de l'État a marqué le haut accord, n'est-ce pas, c'est que dans tous les cas, il faut que le contrat de ces gars du staff technique soit paraphé par la FECAFOOT, parce que c'est la FECAFOOT, n'est-ce pas, qui accrédite. Tu as beau reprendre les histoires d'Otto Fischer. C'est 2008. Entre-temps,
les instances fêtières internationales ont évolué. Non, oulala. Entre-temps, entre 2008 et 2024, les instances internationales, n'est-ce pas, ont évolué dans le mode opératoire et ont décidé qu'il n'y a plus d'ingérence du gouvernement ni de l'État, n'est-ce pas, sur ce qui concerne le football, et la FECAFOOT. La FECAFOOT étant un membre de la CAF, un membre, n'est-ce pas, de la FIFA, c'est quand la FIFA veut s'adresser, veut parler du football camerounais, la FIFA ne reçoit pas le gouvernement, ne reçoit pas le MINSEP. C'est pour ça que le SGPR dit il faut, n'est-ce pas, des concerts avec la fédération. Maintenant, hypothèse d'école. La mise à disposition. Le chef d'État qui signe un décret ne peut pas en même temps piétiner son décret pour dire qu'il y a mise à disposition, il y a ceci ou cela. Le décret peut avoir des insuffisances. Le décret, il faut un texte d'application. Monsieur, les insuffisances d'un décret ne peuvent être rapportées que par un autre décret. En attendant, qu'est-ce qui se passe? On fonctionne avec ce qui existe. La mise à disposition. Un juriste me fait comprendre ce que c'est que la mise à disposition. La mise à disposition par l'État, c'est le fait pour l'État de transférer un de ses personnels au service d'une administration. Voilà. C'est-à-dire que l'État disposition, ça veut dire que l'État ne recrute pas. L'entraîneur devient un de ses personnels qui met à la disposition de la fédération. Quand on dit mise à disposition, c'est que l'État prend un personnel et l'affecte à une mission précise. Et Moutal dit ça important. Non, c'est un juriste, éminent juriste qui parle. D'accord. On peut avancer. Séverin, avant d'avancer, je voudrais dire que c'est la mise à disposition. Quand on transporte ce que dit Samuel Moutatis Moutandis, ça veut dire qu'ici, l'État a recruté un entraîneur qui est désormais son père. Parce que c'est l'État qui paye et a mis à la disposition de la fédération. Transportons ça, Moutatis. C'est-à-dire que Jean-Paul Akono est fonctionnaire, n'est-ce pas, du ministère des Sports. N'est-ce pas? Maintenant, l'État veut l'envoyer comme entraîneur sélectionneur. N'est-ce pas? C'est ça la mise en disposition. Ce n'est pas que. De la même manière. L'État peut recruter un entraîneur qui est désormais son personnel parce que c'est l'État qui paye et met à disposition de la FECAFOOT. Point barre. Selon une opinion bien partagée, la FIFA a deux possibilités parce que vous dites que c'est un contentieux administratif. Il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Soit on peut suspendre le Cameroun des compétitions internationales. Soit on pourra mettre sur pied un comité de normalisation. L'issue de cette affaire qui naît, c'est quoi? Rapidement. Non, rapidement, c'est que ne faisons pas peser une épée de Damoclès sur notre tête pour augmenter le trafic d'influence. Le Cameroun n'est pas sur le viseur d'une suspension, encore moins sur la mise en place d'un comité de normalisation. Nous n'y sommes pas encore. Donc, nous n'avons pas du tout affaire à une normalisation. Le mandat de Samuel Etoffis est en cours. Il faut pas se fier à cette opinion-là, Achille Soulé. Non. Parce que ça s'est dit dans le public aussi, oui, si on ne fait pas attention. Vous êtes là pour éclairer le public. Oui, mais c'est nous. Vous avez la science de cette affaire-là. Écoutez bien, c'est nous-mêmes qui sommes en train de créer un problème qui n'existe même pas. C'est un problème qui n'existe même pas parce que penser à une histoire pareille, c'est comme si peut-être le gouvernement avant de prendre cette décision, ou bien l'État avant de prendre cette décision, n'avait pas réfléchi. L'État, pour prendre une pareille décision, pour prendre une décision aussi grave, essaie de mesurer les tenants et les aboutissants. L'État, c'est bon, ça, et on a suspendu. Hein. Samuel, s'il vous plaît. Mais oui. S'il vous plaît. Donc, moi, je ne pense pas que une suspension ou quoi que ce soit serait en vue. À moins que ce ne soit une affaire provenant de la jactance, des bruits que nous-mêmes nous soulevons. Et c'est pour ça que moi j'ai estimé… – Selon vous, ce sera quoi ?– Le point de chute… – Si les deux parties ne s'entendent pas. – Non, le point de chute, ce sera que le Cameroun aura ce sélectionneur qui a été choisi par l'État et qui va exercer, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a lieu de dire.
Et là où nous sommes, et c'est pour ça que moi j'ai dit que moi, à la place de la FECAFOOT, je n'aurais même pas fait la moindre sortie. Parce que j'estime que ces sorties qui ont été faites mais déjà c'est, le même c'est soir… – Mais c'est le droit de la FECAFOOT. – C'est le droit, mais, c'est le droit. Mais personnellement, je veux dire l'opportunité. Oui, bon. Moi, je pense que cette sortie, ces sorties n'ont pas été opportunes. – C'est pour eux. – C'est pour eux, voilà. D'accord, mais je dis… Il y aura, cet entraîneur va entrer dans l'exercice de ses fonctions. Et comme l'État a choisi, je crois que nous gagnerons à nous mettre donc derrière et de voir ce que cet entraîneur va produire comme résultat. Parce qu'au bout du compte, c'est ce que nous recherchons, ce que les Lions recommencent à gagner, comme l'a dit quelqu'un. Soulé. Oui. Je voudrais d'abord, vraiment, je continue. C'est peut-être pour la quatrième fois que je dis à mon estimé confrère que. Il faut faire attention entre, entre l'État et les décisions que prend un gouvernement. Samuel l'a dit énormément. Nous revenons. Ça, c'est un enfermement juridique, n'est-ce pas, qui ne nous fait pas prospérer dans le débat, avancer dans le débat. Première chose, M. Aléga, vous avez raison, on doit craindre. Parce que jusqu'à maintenant, la FECAFOOT, on pouvait penser, la FECAFOOT aurait même pu ne pas réagir. Elle réagit simplement pour ne pas laisser, n'est-ce pas, courir. Parce que ça, c'est le. Jusqu'à maintenant, c'est un fake. C'est un communiqué presse. Un communiqué presse a quelle valeur juridique? Aucune. Est-ce qu'un communiqué de presse peut s'imposer à la FECAFOOT? Non. La FECAFOOT attend une décision du ministre. Que le ministre décide que voici, voici, voici. Et elle pourquoi va attaquer. Non, attendez. Pourquoi réagit donc? Attendez. La deuxième chose, c'est que. Si la FECAFOOT pense que les textes n'ont pas été respectés et qu'elle fasse volte-face jusqu'à la fin, nous aurons des difficultés à gérer le banc de touche. Et la FECAFOOT peut aller plus loin, attaquer la décision du ministre au niveau des instances fêtières, à la CAF et à la FIFA, marquer sa non-approbation ou alors son refus. Hein, d'accréditer cet entraîneur. Il va faire comment? Qui convoque les joueurs? C'est la FECAFOOT qui convoque les joueurs. Et c'est la FECAFOOT qui met les joueurs en stage. C'est la FECAFOOT qui organise telle ou telle chose. Comment est-ce que les autres institutions vont venir faire ça? Donc, l'idée de normalisation vient d'où? À quel moment est-ce que la normalisation intervient dans une fédération? C'est lorsque, soit il y a un cas avéré d'ingérence de l'État dans la Fédération camerounaise de football. D'abord, la normalisation ne relève pas de l'État du Cameroun. C'est la FIFA qui décide de mettre la Fédération sous normalisation. Et l'État encadre donc la mise en place d'un comité de normalisation. Mais c'est la FIFA qui décide. Samuel, ce que tu dis par rapport à l'entêtement sur l'ingérence, n'est-ce pas, nous fait convoquer ici la dimension politique de l'affaire. Effectivement. Extrêmement important. Nous sommes à la veille de l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que la suspension, ou bien un autre comité de normalisation, à la veille de l'élection présidentielle, va arranger l'état du Cameroun? On confond tout finalement. Non. Achille, oui. Dans l'opinion publique, il y a cette idée de normalisation. Oui, je crois qu'on parle de normalisation, c'est en cas de crise qui menace les institutions du football camerounais. Quand on parle de crise, ça veut dire par exemple que si on a eu plusieurs normalisations, et vous avez vu qu'est-ce qui a causé ces normalisations, c'était justement des questions liées aux élections. Ou bien à des... élus, oh, s'il vous plaît, monsieur Samuel, c'était par rapport à des crises qui ont été provoquées à la suite des processus électoraux mal menés et qui ont suscité cette décision de la mise en place d'un comité de normalisation. Ici, nous sommes dans le cadre de la nomination d'un staff technique des Lions Indomptables, uniquement. Je ne sais pas où est-ce qu'on va aller puiser pour parler d'une normalisation. Non, il n'est pas question de parler de normalisation. Mais en même temps, je souhaiterais que l'on reste dans le cadre de ce football pour parler pour permettre. Écoutez-moi très bien. Pour dire que. Fais-moi une seconde. Ça fait la quatrième. Tu m'as coupé. Oui, la quatrième fois que Séverin parle de normalisation. Est-ce qu'il est dans le secret?
Est-ce qu'il a eu vent? Parce que c'est un journaliste introduit. Est-ce que c'est ce qui se prépare? Parce qu'en réalité, ce n'est pas une question. Normalisation, c'est dans notre cadre. Anodine. Depuis, il ne fait que nous ramener à la... Est-ce que c'est ce que les gens... Ils sont en train de... C'est la conspiration qui est en ce moment en train d'être examinée. Parce que l'autre chose, quand je parlais des blocages au niveau des artisans des blocages, c'est parce que, justement, c'est évoqué. Il y a une plainte, il y a des plaintes qui courent. Vous êtes aussi introduit. Il y a des plaintes, il y a des plaintes qui courent contre le président. Les gars, puis, ont fait d'impatience parce qu'ils estimaient que la CAF et la FIFA pouvaient suspendre le président. Le mandat, ça n'est pas arrivé. Oui. Maintenant, ils se disent que, comme ils ont affaire à quelqu'un qui a décidé de faire de son mandat le mandat de rupture, M. Eto'o, pour facilement l'évacuer, on met en place un comité de normalisation et on s'ouvre un boulevard pour faire du n'importe quoi. Donc, ce n'est pas l'État qui met en place le comité de normalisation. Attendez, ils peuvent susciter ça. Ce n'est pas l'État qui peut susciter. N'allez pas mettre tout sur Attends, si vous faites dans l'ingérence, si vous faites dans l'ingérence et que vous persévérez dans l'ingérence, la FIFA fait quoi? La FIFA ne peut pas sanctionner un État, mais la FIFA, n'est-ce pas, peut mettre en quarantaine la fédération, votre football. Dans le cas d'espèce, il est fort possible qu'on s'achemine. Donc, Séverin doit nous dire, il est dans le secret, est-ce que c'est ce que les gars d'en haut qu'ils côtoient ont prévu? Ils ne côtoient pas moins que toi, Soulé. Les gars d'en haut. Il sait de quoi il parle. Alors, le quotidien Cameroun Tribune parle d'une polémique inutile. Pour cette publication, on est loin de la sérénité tant recherchée autour des lions indomptables. Admettons que la situation va se régler, mais qu'est-ce qu'on pourra attendre dans les jours qui viennent d'un encadrement technique des lions indomptables? C'est vrai, si je peux dire un mot, c'est que la performance d'une équipe nationale ne peut venir que de la qualité de son staff technique et de l'environnement dans lequel ce staff technique doit opérer. Ce sont les deux éléments fondamentaux. Il faut des choix techniques qui doivent être opérés par la Fédération Camerounaise de football. On doit checker les statistiques de ce coach, de ces coachs qu'on doit proposer pour une sélection qui mérite et qui veut les victoires. Le football n'est pas une science exacte. Elle n'est pas une science exacte, mais elle a une trajectoire, c'est une science tout de même. Il faut taire les égaux. Il y a... Bon, vous ne voulez pas qu'on parle du staff, parce que j'aurais bien aimé dire que la composition de ce staff a ceci de... m'embête. Il paraît même qu'il y a des gens qui commencent à se lever pour dire que le coach n'a pas de qualification. Ça a toujours été comme ça, vous savez, c'est un débat vieux comme le monde. Je ne veux pas dire qu'il est anonyme. Mais je dis au niveau de ses qualifications, il y a quand même des qualifications. Il y a une certaine licence qu'il faut avoir pour entraîner, n'est-ce pas, une équipe nationale. Je ne parle pas. Je sais qu'il y a des anonymes, les Hugo Bros, les autres qui sont arrivés. Le chantre qui est arrivé, qui a gagné la CAN. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de qualifications. Vous ne savez pas n'importe qui devient rédacteur en chef. Il y a quand même un parcours. N'est-ce pas? Maintenant, il y a ça. La deuxième chose que je voudrais dire, M. Aléga, c'est qu'il faut le dialogue. Si on veut, n'est-ce pas, que l'équipe nationale soit forte, qu'elle gagne, n'est-ce pas, à ses prochaines séances, il faut restaurer la paix. Parce qu'une équipe, la composition de ce staff ne peut pas faire gagner le Cameroun. Ah ah! J'ai dit ne peut pas, parce que il y aura les gens, les uns et les autres, dans le contexte actuel. C'est excessif. Non, mais non, ce n'est pas excessif. Vous n'avez pas encore vu ces gens à l'œuvre. Allez, gars, Séverin. C'est quand même excessif, non? Pourquoi je suis excessif? Pourquoi est-ce qu'on peut penser? On n'a pas encore vu ces gens à l'œuvre. Ils n'ont livré aucun match. Au nom de quoi on peut dire qu'ils sont déjà incompétents? Est-ce qu'il peut placer un mot? Je souhaite que je sois bien compris. N'est-ce pas? Nous avons eu des staffs techniques anonymes, inconnus, mais à qui on a donné la paix, le calme, ont travaillé et nous avons eu des résultats.
ce que je dis, ce n'est pas tant que je conteste ce que ce coach peut apporter. Nous savons qu'à un moment donné, il y a eu un moment donné où le Cameroun avait tellement de bons joueurs qu'on pouvait dire qu'on pouvait se passer de l'entraîneur, n'est-ce pas? Donc, dans le contexte actuel, c'est la sérénité et le calme. S'il n'y a pas la sérénité, il n'y a pas la paix, il n'y a pas le calme. Entre ceux qui pensent que le ministère des Sports a raison et d'autres qui pensent que les compétences de l'Africafoot ont été biaisées et retirées, vous ne pouvez pas. Si vous ne faites pas bien votre lit, vous n'avez pas un bon sommeil. Bien. Sur cette question, je voudrais d'abord qu'on évacue une fausse idée qui est dans l'imagerie populaire. Cet entraîneur a une licence UEFA Pro. Moi, j'estime que ce staff a été déjà nommé. Et personnellement, j'estime que la polémique qu'on a soulevée est inutile, totalement inutile. Oui, et c'est personnellement. Ça n'engage que moi, tout comme tout ce que tu as dit n'engage que toi, Soulé. Voilà. Sauf que moi, je ne mets pas personnellement. Non, écoutez. Une lecture analytique de la situation. J'essaie d'être modeste. On ne nomme pas, n'intéresse pas un communiqué. Écoutez-moi bien. Est-ce que pendant que vous avez parlé, je vous écoutais religieusement? C'est pour dire qu'une fois que le vin est tiré, il faut le boire. Alors, il faut justement... Même s'il est empoisonné. Oui, il faut donc accueillir cet entraîneur. Dès lors qu'on l'a choisi, nous tous, nous allons le juger parce qu'en ce moment, il a un crédit. Je te reconnais pas. Ouais, Soulé, permettez que je parle. Dès qu'il a été choisi, il a un crédit de 100%. Non. Et là, nous allons le voir à l'œuvre et pouvoir le juger. Et personnellement, j'estime, tous les Camerounais estiment que... Oh là là, tous les Camerounais... Chercher les statistiques là où... Alors, là, c'est vous qui êtes en train de lire dans la boue de cristal pour prédire déjà des échecs pour un entraîneur. Ouais, mais toi, tu donnes le crédit. C'est vous qui commencez. Et là, je ne vais pas parler comme au quartier que vous avez commencé un sabotage. Non. C'est pas un sabotage que vous. Je crois pas que c'est un sabotage. On fait de l'analyse. Non, on peut pas accepter ce que vous dites, que vous commencez dès maintenant à lire et à prospecter, à aller dans ce pas, à voir dans la prospective les résultats d'un entraîneur. Non. Quand vous lisez, dans ce résultat, il y avait quoi? On a ces statistiques. Pardon. Il y a quoi avant? Quand vous lisez dans ces statistiques, Soulé. Il n'y a rien. Non, a entraîné quel bon club en Belgique? Là. Et on a raison de dire il y avait quoi avant? Lisez donc, allez donc lire son CV. Allons lire son CV. Non. Et c'est le CV. Je ne le défends pas, on ne se connaît pas. Je ne le défends pas, on ne se connaît pas. Mais à partir du moment où il a été choisi, moi-même, j'attendais qu'on choisisse un entraîneur de renom, mais on ne l'a pas fait. Non. Dès lors qu'on a choisi celui-ci, on se met derrière à fond parce qu'on est d'abord patriote. Il faut arrêter ça. Ça, c'est d'abord la première des choses. Personnellement, je pense qu'on est d'abord patriote et on doit accepter ce que ceux qui nous dirigent ont décidé. Vous comprenez un peu? Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de ce programme, un programme assez animé. Vous comprenez bien que le sujet est passionnant, mais il faut pouvoir l'arrêter. Merci à nos invités, merci d'être venus, merci pour vos opinions, vos réflexions, vos analyses. J'espère que cela permettra à ceux qui nous regardent de se faire une meilleure idée de la situation que nous vivons dans le football. Merci à vous également qui prennent la peine de nous regarder chaque soir. S'il plaît à Dieu, nous nous retrouvons dimanche soir.